Si tu veux glow up, et attention, pas de bullshit ici, lave-toi le visage avant de dormir. Non, là je te parle de vraies techniques. 1. Le style vestimentaire. Voici deux photos de moi avec exactement la même tête, le même jour, la même heure. Aujourd'hui, 3 secondes, c'est le temps qu'il faut à une personne pour te juger. Et certes, c'est loin d'être représentatif de qui tu es, mais c'est la réalité. Donc si tu veux pas en être victime, mais au contraire en tirer profit, change ton style. 2. La bêta-carotène. Un des moyens d'en tirer profit, c'est grâce à la bêta-carotène que tu vas retrouver dans les carottes et dans les tomates. Ça tombe bien, c'est saison, qui est un pigment naturel qui vient jouer sur ta teinte de peau en ta faveur. 3. Le sommeil. Tina Sundelin, elle a fait une étude avec des hommes et des femmes. Ce qu'on fait, c'est que 2 jours d'affilée, à 14h30 précis, on les prend en photo. La seule différence près, le jour 1, ils ont dormi 8 heures et le jour 2, ils ont dormi seulement 5 heures. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à des gens lambda dans la rue de juger leur niveau de beauté, leur niveau de fatigue, leur niveau d'énergie, etc. Résultat, les gens qui ont dormi 5 heures sont jugés beaucoup moins beaux. Ça se répercute sur tout ton visage, tout ton corps,